De toute taille, de toute teinte, du blanc pâle au beige brun, il y en a des petits, des grands, des gros, des fins. Dans mon désert, il y a toutes sortes de grains. Et je dois dire qu'on est nombreux à vouloir y planter une graine, y faire fleurir peu à peu le plus beau des jardins, juste sous vos yeux, où l'on cultive son audace, sa volonté d'ouvrir le chemin. Dans mon désert, il y a tellement de place. Imaginez tout ce qu'on peut faire, mais mon désert manque de moyens, et nos rêves s'assèchent sous serre. Alors, les jeunes de ma ville déserte, et quand 15% d'entre eux sont encore illettrés à l'heure où j'écris ce poème, 13% de la population souffre encore de pauvreté monétaire. Dommage, et c'est pas faute d'éducation, mais de possibilité. La meilleure lutte contre le chômage, c'est l'aide à la création, pas l'austérité. Et toi, dis-moi, qu'est-ce que t'as en tête pour voir les choses s'améliorer? Des endroits où toutes les tranches d'âge travaillent main dans la main. Du lien social entre les exclus et ceux qui pensent ne manquer de rien. Du solidaire pour la plus-value, c'est comme ça que je vois Lyon demain. J'ai peur de voir ma ville devenir ce désert aride où rien ne pousse, rien ne grandit, où les jeunes s'enfuient quand on leur dit « Allez, ouste, allez construire ailleurs cet avenir meilleur quand ils pourraient le faire ici. » On veut leur permettre de le faire ici. L'incubateur est fait pour ça, élargir le champ des possibles en visant l'impossible et jamais en deçà. Un local, des moyens, des conseils, des parrains, un accompagnement de qualité pour aider des jeunes à créer des entreprises sociales sur le territoire rhône-alpin. Et toi, dis-moi, qu'est-ce que ça t'évoque tout ça, et pour toi, ça veut dire quoi participer ?